bien, comment effectuer un tri sur un champ de table fichier en Minerve sans pour autant me prendre la tête? Eh bien, chers amis, si vous vous posez également la même question, alors cette vidéo, vous allez certainement l'apprécier. Salut, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver encore au niveau de cette chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Alors, on se retrouve actuellement dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce Minerve. Et cette fois-ci, nous allons beaucoup plus parler du tri. Nous allons voir comment nous pourrions quand même effectuer un tri, d'accord, au niveau d'un champ de table fichier en Minerve de façon quand même très simple sans pour autant nous prendre la tête. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à vous demander de vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez pas encore fait, chers amis, vous attendez quoi? Vous appréciez nos contenus? Alors, abonnez-vous à la chaîne. Activez beaucoup plus la cloche, d'accord, pour pouvoir avoir en temps réel toutes les notifications liées au prochain tutoriel à venir sur la chaîne. Et si vous êtes également de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu, partagez cette vidéo, ça va toujours nous motiver, nous encourager à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. Je compte sur vous. Alors, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je vais rapidement réveiller mon Windows, voilà. Et donc, comme on a dit tantôt au début de cette vidéo, nous allons beaucoup plus voir comment effectuer un tri au niveau d'un champ de table fichier, d'accord, en Windows, de façon très simple sans pour autant nous prendre la tête. Alors, nous allons rapidement prendre l'un des projets que nous avons développé ensemble au niveau de la formation Winef pour débutants. Et donc, c'est le projet, j'espère que vous connaissez très bien. Alors, si vous nous retrouvez actuellement dans cette vidéo pour une première fois, je vais vous laisser quelque part à gauche ou à droite le lien, d'accord, qui va vous permettre de pouvoir retrouver la formation Winef pour débutants que nous avons mis à disposition de façon gratuite. Alors, je reviens rapidement ici. Et donc, ensemble, nous allons quand même voir comment on peut quand même permettre à un utilisateur d'effectuer un tri, d'accord, au niveau d'un champ de table fichier en Windows de façon quand même très simple. Et donc, nous allons permettre beaucoup plus à l'utilisateur à partir d'un champ de table correctement qui est beaucoup plus alimenté, donc qui affiche le contenu d'un fichier de données. On va quand même permettre à la personne de pouvoir effectuer un tri, d'accord, sur les données disponibles au niveau de ce champ de table. Alors, pour pouvoir même vous permettre de pouvoir mieux comprendre comment on va quand même procéder, je vais prendre l'exemple de l'interface que nous avons utilisée pour gérer les logiciels. D'accord? Donc, au niveau de cette interface, nous avons un champ de table qui est beaucoup plus un champ de table fichier. Donc, un champ de table qui affiche quand même le contenu d'un fichier de données. Et donc, nous, ce qu'on va quand même effectuer ensemble, c'est de permettre à la personne de pouvoir effectuer maintenant le tri. Alors, dans notre cas, on va prendre un exemple très simple. On va dire, on va permettre à l'utilisateur, par exemple, d'effectuer le tri par nom du logiciel ou par type de logiciel. Donc, il peut trier par exemple par nom du logiciel ou il peut trier également par type de logiciel. Alors, le champ de table que nous avons ici actuellement, c'est un champ de table fichier. Et donc, si vous avez par exemple un champ de table mémoire ou tout ce que ou un autre type de champ de table, il n'est pas forcément évident que vous allez utiliser du moins la même procédure, voilà, pour pouvoir effectuer un tri. Non. Alors, nous, on va beaucoup plus se baser sur le contexte d'un champ de table fichier. Et nous allons beaucoup plus permettre à la personne d'effectuer le tri, mais là, sur un champ de table fichier. Alors, nous, on a pris le cas actuellement de l'interface qui permet de gérer les logiciels. Et donc, je vais rapidement revenir au niveau de l'analyse. Alors, si on doit permettre à la personne de pouvoir effectuer, comme on vient de le dire, le tri, d'accord, au niveau du champ de table par nom du logiciel ou par type du logiciel, je viens déjà au niveau de l'analyse, j'ouvre le fichier logiciel. Et je vais d'abord attirer votre attention sur un premier point qui est quand même intéressant ou important quand vous voulez effectuer ce type d'opération au niveau d'un fichier, d'un champ de table fichier, donc d'un champ de table qui affiche le contenu d'un fichier de données. Alors déjà, au niveau du fichier de données, pour pouvoir vous permettre de façon très simple d'effectuer correctement un tri, d'accord, au niveau des données d'un fichier de données ou d'effectuer par exemple une recherche au niveau des données d'un fichier de données, il est quand même important que vous maîtrisez la notion de clé. D'accord? Et au niveau des clés, je vous parlerai actuellement de deux types de clés. Alors, le premier type, beaucoup plus, je vais parler de la clé unique. Déjà, ici, vous remarquez que nous avons une clé unique qui est unlock. Et très souvent, quand nous définissons une rubrique comme étant une clé unique, c'est que cette rubrique, beaucoup plus, va nous permettre de pouvoir identifier de façon vraiment unique, donc de façon vraiment unique, voilà, façon précise chaque donnée disponible au niveau de notre fichier.
Et donc, comme on le sait déjà au niveau de nLog, vu que nLog actuellement est une clé unique, on ne peut pas avoir une donnée, on ne peut pas avoir la même donnée pour deux différents enregistrements, par exemple au niveau du fichier. Ouais, et donc ça, c'est que quand je définis la Ruby comme étant une clé unique, c'est que c'est une information ou une donnée vraiment unique. Donc la donnée ne peut pas se répéter au niveau de mon fichier de données. Par contre, quand je déclare une Ruby comme étant une clé avec doublon, c'est que je peux également avoir cette donnée plusieurs fois au niveau de mon fichier de données, il n'y a aucun problème. Mais en déclarant la Ruby comme étant clé avec doublon, c'est que j'ai la possibilité d'utiliser cette rubrique-là pour pouvoir effectuer par exemple une recherche ou effectuer par exemple quand étant un tri au niveau des enregistrements du fichier de données. Et donc c'est beaucoup plus l'option que nous allons utiliser. Alors on nous a demandé beaucoup plus d'effectuer, de permettre à la personne d'effectuer le tri quand étant à partir du nom et à partir du type. Alors je déclare par exemple le nom, donc je sélectionne le nom par exemple, et je le prends comme clé avec doublon. Je prends également le type clé avec doublon. Et donc comme je l'ai dit actuellement au niveau du champ de table fichier, donc qui affiche le contenu d'un fichier donné, je vais beaucoup plus permettre à la personne de pouvoir trier voilà le contenu d'accord à partir de ces deux rubriques là. Et donc là je vais juste valider, je vais revenir au niveau de l'interface. On va synchroniser bien sûr. Oui. Voilà. Très bien. Et donc là, on vient de synchroniser beaucoup plus maintenant disons l'analyse qu'on vient de modifier avec les différentes interfaces que nous avions au niveau de notre projet. Alors, je vais rapidement revenir maintenant sur notre interface. Maintenant, on va beaucoup plus parler maintenant de comment on va permettre à l'utilisateur de pouvoir effectuer ce type de tri dont nous sommes en train de parler. Alors, déjà, la première possibilité que vous pouvez quand même donner correctement à la personne, c'est que quand je viens au niveau du champ de table, je fais une description par exemple au niveau du champ de table, je peux permettre beaucoup plus à la personne en sélectionnant les colonnes, je peux permettre en utilisant beaucoup plus de. Permettre du moins à la personne de pouvoir effectuer un tri rapidement en prenant déjà beaucoup plus la propriété triable, donc en cochant beaucoup plus la propriété triable au niveau de la colonne. Et donc, quand je prends notre cas ici par exemple, nous avons beaucoup plus non-log et putic-log qui sont des clés quand étant en fait doublon au niveau de notre fichier. Et donc, au niveau de non-log, j'ai l'option triable qui est déjà cochée. Donc, au niveau de type également, j'ai également l'option triable qui est déjà cochée. Et donc, ça veut dire que je peux déjà permettre à la personne déjà juste en cliquant au niveau de l'entête de la colonne de pouvoir trier déjà par ordre croissant ou par ordre décroissant correctement le contenu du champ de table. Alors on va rapidement tester, vous allez voir. Donc je fais go. Donc quand je clique ici, comme vous l'avez remarqué, vous voyez, ça fait automatiquement un tri de façon croissante, du moins. Quand je clique encore, ça me trie de façon décroissante. Pareil également au niveau du type. Et donc là, c'est parce que j'ai beaucoup plus coché l'option triable et que les rubriques quand même qui sont concernées par le tri sont quand même des clés disponibles au niveau de mon fichier. Par contre, quand je vais essayer de le faire également avec les autres, ce n'est pas évident parce que ces rubriques ne sont pas des clés, d'accord, au niveau de mon fichier, même si l'option triable est activée. Et donc ça, c'est l'une des possibilités qu'on peut donner à la personne de pouvoir facilement effectuer un tri. Alors, supposons un instant que bon voilà la personne dit ou l'utilisateur nous dit bon voilà il n'a pas vraiment envie de cliquer d'abord sur l'entête de la colonne pour pouvoir effectuer un tri, mais qui veut par exemple utiliser un sélecteur et qu'à partir du sélecteur il veut correctement changer beaucoup plus le tri d'accord des données disponibles au niveau de son champ de table. D'accord, aucun problème. Mais pour pouvoir faire ceci, c'est que nous on va commencer rapidement par permettre à la personne de pouvoir accéder au sélecteur, d'accord, mais on va beaucoup plus agir maintenant sur les rubriques de parcours. Donc on va juste changer la rubrique de parcours en tenant compte de l'option sélectionnée par l'utilisateur au niveau du sélecteur. Et donc c'est ce qu'on va rapidement s'amuser à faire maintenant pour vous montrer quand même que vous êtes en mesure également de ne pas forcément utiliser l'option triable au niveau du champ de table quand vous êtes en train de manipuler des champs de table fichiers, mais vous pourriez également utiliser par exemple un sélecteur pour facilement permettre à la personne de changer le tri au niveau d'un champ de table de façon très simple. Alors, je vais rapidement créer un sélecteur. Donc, je prends un sélecteur, je dépose. Voilà, on va.
décaler légèrement vers le haut. Pareil pour les boutons ici. Donc je ramène mon sélecteur là. Je fais une description au niveau de mon sélecteur. Donc on va l'appeler ordre affichage tout simplement. Alors au niveau du sélecteur, on va revenir au niveau de contenu. Alors ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de permettre à la personne de savoir qu'il peut trier par nom, d'accord, et qu'il peut également trier par type de logiciel. Et donc les options valeurs envoyées ne nous intéressent pas tout de suite au niveau de ce qui nous intéresse ici. Et donc là, au niveau d'options 1, je mets par nom. Mais je mets pas ici par type. Mais je vais juste appliquer. Et donc au niveau de détail, je vais mettre ça sur deux colonnes. D'accord. Donc je vais juste agrandir un peu. Réduire un peu ce champ. Voilà. Donc je peux faire également changer même le style et prendre un style où je peux afficher par exemple le sélecteur. Voilà. Très bien. Donc on aura juste à changer le nom, on va mettre ordre d'affichage. Voilà. Donc là je vais juste ramener ça un peu. Très bien. Et donc là on vient de créer un sélecteur, et donc nous on veut beaucoup plus permettre à la personne quand il clique, voilà, au niveau de par nom, ou que si par nom est par défaut sélectionné, voilà, que les données disponibles au niveau du champ table ça trier par le nom. Par contre quand on clique également sur par type, ça va trier également par type. Là on va quand même enlever le mot option qui est de trop de contenu. Voilà, on va enlever option. Voilà, donc là le sélecteur est créé. On va commencer rapidement par maintenant alimenter le bout de code qu'il faut. Mais avant d'alimenter le bout de code qu'il faut, on va rapidement revenir au niveau de du champ table, et on va faire très simple. Je vais déjà définir les rubriques disponibles au niveau du logiciel, et je vais me rassurer quand même que chaque rubrique est que chaque nom de rubrique quand même est lié quand même au nom de la colonne, pour ne pas faire trop de manipulation, d'accord, au niveau du codage. Donc je prends par exemple l'exemple, on m'a dit bon voilà, je dois correctement permettre à la personne de trier par nom et par type, et vu que je veux modifier chaque fois la rubrique de parcours et que je suis au niveau d'un champ table fichier, il serait beaucoup plus très simple pour moi de modifier le nom de la colonne en donnant juste le nom qui correspond à la rubrique de façon très simple. Et donc ici j'ai non log, et donc là je vais juste garder non log comme le nom de ma colonne. Alors je prends l'exemple par exemple du type, je peux l'appliquer également à toutes les colonnes, aucun problème. Donc là je vais juste l'appliquer au niveau de mes deux colonnes ici, d'accord, pour qu'on puisse aller très rapidement. Donc là je vais juste appliquer, donc là j'ai juste donné exactement les noms, d'accord, de mes rubriques au niveau de mes colonnes. D'accord, donc au niveau des colonnes de mon champ temps, pour quand même me retrouver de façon très simple au niveau de mon codage. Donc je vais appliquer. Et je vais maintenant venir au niveau de mon sélecteur. Alors on va rapidement quand même copier une mise en forme qu'on va appliquer ici. On va augmenter la taille. Pas bien grave. On va voir 10, mettre ça en gras quand même. Voilà, mettre ça en noir aussi. Voilà. Donc je viens au niveau de cône du sélecteur. Et donc là, qu'est-ce que je vais permettre à la personne de pouvoir faire? Quand il sélectionne chaque fois une option au niveau du sélecteur, c'est qu'on va pouvoir être en mesure de changer déjà la rubrique de parcours. Et ensuite maintenant de pouvoir lui permettre de trier, voilà, le contenu maintenant du champ table. Et donc je viens au niveau de l'événement à chaque modification. Je vais commencer par écrire le bout de code qu'il faut quand même à ce niveau. Et donc je vais utiliser quand même la structure à choix multiple selon. Et donc je vais lui dire selon son choix. Donc selon le sélecteur. Alors donc j'ai déjà deux possibilités. Donc j'ai soit le tri par nom qui est le cas 1, ou soit j'ai le tri par type qui est le cas 2.
Alors, le tri par annonce, ça dit quand il veut faire le tri par annonce, il faut que je puisse changer maintenant la rubrique de parcours et que je définisse maintenant la rubrique de parcours comme étant le nom, d'accord, du logiciel. Donc, par, comme étant la rubrique nom log. Donc là, je vais juste faire, comme étant le nom de la table, donc je fais table logiciel, point, point, rubrique. Voilà, rubrique parcourue, d'accord. Et cette rubrique parcourue sera égale maintenant à quoi? Au nom maintenant, au nom log, donc le nom beaucoup plus de quoi étant de ma colonne, donc de la colonne qui va me permettre de pouvoir effectuer le tri. Donc je vais juste mettre ça en griffe. Je vais faire la même chose également au niveau du type, mais je vais juste préciser maintenant le type ici. Donc je vais juste préciser, je crois on a mis type blog, voilà. Pour le nom de la colonne, donc je vais mettre également type blog entre les griffes. Et donc, à ce niveau, je n'ai encore rien fait d'extraordinaire. Ce que j'ai fait, c'est très simple. En tenant compte de l'option choisie par la personne, je suis en train de changer, d'accord, la rubrique de parcours. Et donc, quand la personne fait l'option 1, donc choisit le trier par nom, on change la rubrique de parcours en définissant beaucoup plus non log comme étant la rubrique de parcours. Par contre, quand c'est par type, on change également la rubrique de parcours, on définit beaucoup plus type log, tout simplement. Et donc après, on peut maintenant rapidement faire comme étant une table affiche. Table logiciel, je vais utiliser la position ta init. Et je vais maintenant utiliser comme étant la fonction table tree, voilà. Je lui passe le champ table. Mais je vais maintenant lui passer maintenant la rubrique de parcours. Donc j'appelle table logiciel point point. Rubrique parcourue. Et donc ça va tenir compte beaucoup plus de la rubrique, d'accord, qu'on aurait choisi ici en tenant compte de l'option correctement choisie par l'utilisateur. Et donc de façon très simple, ce bout de code doit me permettre de pouvoir effectuer le tri si on testait ensemble. Alors par défaut, vu que le sélecteur, quand vous avez beaucoup plus de sélecteur, par défaut vous allez avoir l'option 1 qui sera activée. Je vais alors copier rapidement ce bout de code que je vais mettre également au niveau de l'initialisation. D'accord, de mon sélecteur. Donc, de manière à ce que si une option également est choisie par défaut, ça puisse également effectuer le tri déjà au niveau du champ table. Et donc, quand je vais changer également, modifier après l'option, je pourrais maintenant être en mesure également de pouvoir vérifier si réellement les informations, donc les données disponibles au niveau de mon champ table ont été triées. Et donc, avec ce qu'on vient de faire de façon très simple, c'est que si on teste normalement notre code, on va pouvoir remarquer que l'utilisateur est en mesure de pouvoir trier, d'accord, par nom ou par type. Alors, on va rapidement effectuer ceci. Donc, je fais go. Et donc, là, on est au niveau de l'option par nom. Et donc, quand vous remarquez bien, vous voyez code blog, Dreamweaver, Oracle, Oracle, Oracle. Et donc, ça a trié par ordre croissant. Et donc, quand je viens au niveau de par type, ça, ce sont les types. Vous voyez, ça m'a également tiré. Donc, ça m'a fait PCNT. Donc, ça, c'était d'abord les PCNT. Ensuite, c'est passé au PCWT. Donc, ça, c'était également les PCWT. Ensuite, c'est passé à UNIS. Et donc, ça veut dire que l'option tri est en train de marcher correctement. Et donc, ça veut dire que le bout de code que j'avais écrit marche correctement. Et donc, la personne est en mesure de pouvoir changer, d'accord, l'ordre d'affichage de son champ table fiché de façon très simple à partir d'un sélecteur qu'on lui a créé. D'accord? Et donc là, ça veut dire que notre bout de code, ça marche correctement. Et donc, ça veut dire que la manipulation que nous avons effectuée, ça marche. Alors, je vais quand même vous donner également une dernière information très importante. Vous allez remarquer que quand nous avons testé beaucoup plus le tri par défaut, c'était l'option ordre croissant, d'accord, qui était beaucoup plus activée. Donc, on avait effectué le tri par ordre croissant. Vous êtes en mesure de changer également l'autre. Alors, supposons un instant que j'ai envie d'effectuer le tri, par exemple, du nom du logiciel, quand la personne prend l'option nom du logiciel, que ça puisse trier par ordre décroissant. Alors, de façon très simple, par défaut, quand vous mettez juste l'accord, la rubrique de vous modifiez, voilà les rubriques de parcours. Si vous ne précisez rien, c'est que par défaut, c'est l'ordre croissant qui est activé. Mais par contre, si je veux changer l'ordre, actuellement, utiliser l'ordre décroissant, je viens juste mettre le signe moins, d'accord, devant la rubrique de parcours. Tout simplement. Et donc, en mettant le signe moins, c'est que je suis en train de lui dire que je vais faire le tri par ordre décroissant. Et donc, en mettant le signe plus, c'est que je suis en train de dire que je suis en train de vouloir faire le tri par ordre croissant. Maintenant, au niveau du signe plus, je peux mettre comme ne pas mettre.
Et donc, quand je ne mets pas, c'est que par défaut, on considère que c'est le signe plus qui est là. Maintenant, en mettant le signe moins, vous allez voir que quand nous avons testé maintenant, au lieu que ça nous a affiché beaucoup plus les logiciels par ordre croissant, donc code bloc, etc. et tout, avant de tomber sur Windev, ça va maintenant commencer par ordre décroissant. Et donc, ça va beaucoup plus nous afficher maintenant les données correctement par ordre décroissant quand nous allons trier par le nom. Par contre, quand on vient au niveau du type, vous allez voir que ça serait toujours par ordre croissant parce que là, on n'a pas modifié et donc ça va toujours garder l'ordre croissant. Alors, on va rapidement tester, vous allez voir. Donc voilà, c'est actuellement par nom. Vous avez vu automatiquement, c'est la parole décroissante. Donc WinDev2V, VLTV, Picha, Picham de moins Oracle 8, Oracle 6, correctant, etc. Et donc là, c'est que ça vient de faire le tri parole décroissant. Ça, c'est ce qu'on a mentionné nous-mêmes. Mais quand on vient au niveau du type, par exemple, ça a toujours gardé l'ordre croissant, d'accord, au niveau du type, parce qu'on n'a pas modifié. Et donc ça, c'était beaucoup plus la dernière information quand même que je tenais quand même à vous donner en termes d'astuces, où vous pourriez facilement également permettre à l'utilisateur de pouvoir effectuer un tri en lui précisant également beaucoup plus l'ordre qu'il a envie d'utiliser, si c'est l'ordre croissant ou l'ordre décroissant. Alors j'espère que vous avez apprécié quand même l'astuce que j'ai partagée avec vous. Donc de façon très simple pour effectuer un tri d'accord au niveau d'un champ de table fichier, donc d'un champ de table qui affiche le contenu d'un fichier de données. De façon très simple, vous avez remarqué qu'il vous faut beaucoup plus déjà définir les rubriques que vous voulez utiliser comme étant des clés. On a parlé beaucoup plus des clés uniques et des clés avec doublon. On a vu quand même la différence qu'il y a entre ces deux. Et ensemble, on a vu que vous pourriez utiliser déjà la propriété triable définie au niveau du champ de table pour pouvoir permettre à la personne de pouvoir effectuer le tri directement en cliquant déjà sur l'entête de la colonne ou des colonnes concernées. Par contre, on peut également permettre à la personne d'effectuer le tri directement à partir d'un champ sélecteur, par exemple, ou en tenant compte de l'option choisie, nous, on pourra lui effectuer le tri. Et donc, ça a été beaucoup plus la dernière option qu'on a vue ensemble. Et vous avez vu qu'il fallait juste modifier seulement la rubrique de parcours et ensuite maintenant effectuer le tri à partir de cette rubrique de parcours. Alors, chers amis, voici un peu ce que je devais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, que ça vous a peut-être apporté un plus au niveau correctement de vos connaissances ou au niveau de vos prochains codages ou de votre prochaine amélioration à faire sur vos projets. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'accord? Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour pouvoir avoir en temps réel toutes les notifications liées au nouveau tutoriel à venir. Et n'hésitez pas également à laisser un pouce bleu, d'accord, pour nous motiver, nous encourager à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. Alors, chers amis, on va se retrouver très vite sur une nouvelle vidéo avec une nouvelle astuce Winev. On va se dire à très bientôt.